On dit souvent que le monde est petit. Celui du show business l'est encore plus. Les fans de Laurent Voulzy ont notamment appris que l'un de ses cousins était loin d'être un inconnu, contrairement au trio grâce auquel il s'est fait connaître, Pascal Légitimu. Invité de l'émission Télématin ce samedi 22 octobre pour promouvoir la pièce de théâtre L'Invitation dans laquelle il donne la réplique à Lucie Jeanne et Patrick Chesenay, Pascal Légitimu a fait une triste confidence concernant Laurent Voulzy. Sa maman, Marie-Louise, résidente de région parisienne, est morte. Au détour d'une conversation concernant leurs liens familiaux, Pascal Légitimu a en effet révélé que Laure Voulzy a perdu sa maman il n'y a pas très longtemps. Une perte que le chanteur de 73 ans n'a pas laissé paraître sur les réseaux sociaux. Un avis de décès avait été publié sur RCI, indiquant que les obsèques de Madame Voulzy Alice, Marie-Louise, dite Malise, décédée à l'âge de 94 ans, demeurant à Nogent-sur-Marne dans l'Hexagone, seront célébrées le vendredi 16 septembre en l'église Saint-Saturnin à Nogent-sur-Marne. Si les liens de parenté qui unissent Pascal Légitimu et Laurent Voulzy ne sont pas d'une évidence absolue, si est-il parce que rares sont les fois où les principaux intéressés y font allusion. Pour autant, il ne se cache pas en dévoilant des clichés de deux réunis sur les réseaux sociaux.